des heures qu'on le course. On n'arrivera jamais à le rattraper. On ferait mieux de laisser tomber. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tricky a piqué mon collier, mon collier! Ouais bah ça serait peut-être pas arrivé si tu lui avais pas fauché sa banane, hein. Ça serait pas ton collier, Mowgli? Allez, rends-le-moi! C'est plus marrant maintenant! Alors, ce voleur de collier, vous l'avez attrapé? Tricky, tu parles, pas moyen de l'attraper. Il est rapide comme l'éclair. Il me le rendra jamais. Mon collier, tu l'as trouvé où? Mais j'en sais rien, moi. Fiche-moi la paix, j'ai pas pu fermer l'œil. Balou s'est gratté toute la nuit, il s'est fait bouffer par des bestioles. Merci, Balou. Sans mon collier, je me sentais tout nu. Comment tu l'as récupéré? Eh bien, j'ai d'abord promis à la mère de Tricky que tu irais t'excuser. Ça m'a coûté deux bananes, cette histoire, et surtout une famille entière de puces. Désolé pour les puces. Tu veux que je t'aide à te gratter? Pour que tu les attrapes toi aussi, surtout pas. Allez plutôt faire un tour avec Bagheera, le temps que je me débarrasse de ces satanées bestioles. Abaki! Alors, ça vient? Je meurs de faim! Une minute, maître. Je peux pas tout faire en même temps. Je n'ai que deux pattes, quand même. Une, deux. Oui, c'est bien ça, deux pattes. Mais quel crétin. Et si j'offrais une calebasse à miel toute neuve à Balou? La vieille est toute trouée. Qu'est-ce que t'en penses? Non, hein? C'est pas assez bien? Mais quoi alors? Je sais pas. T'as qu'à lui offrir une mangue juteuse ou alors une feuille de bananier remplie de termites bien gras. Il adore ça. Mais non, c'est trop nul ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais Balou a quand même retrouvé mon collier. Ça mérite un cadeau exceptionnel. Si tu veux lui faire un cadeau vraiment utile, je te conseillerais de trouver un truc contre les puces. Au moins, ça me permettrait de dormir. C'est bon, je sais bien que c'est à cause de moi qu'il les a eus. Tu te rends compte? Tout ça à cause d'une pauvre banane et d'un collier. Tu trouves pas que c'est aller un peu loin? Oh, oui, j'ai compris. Mais là, franchement, tu m'aides pas. Mais y a jamais rien qui te va. Tu refuses toutes mes super idées. Si c'est comme ça, moi, je rentre. C'est ça, va plutôt roupiller dans ton coin. Je vais me débrouiller tout seul. Qu'est-ce que... Oh, je me sens beaucoup mieux. J'en donne quelque chose de doux. Je vais faire une petite sieste. Dormez, grand roi de la jungle, dormez, maître bien-aimé, ô tigre superbe et généreux, vous seul me rendez heureux. Tu as encore oublié la feuille de palme. Tu sais bien que j'ai horreur du bzzz stupide des insectes quand je dors. Il n'y a pas moyen de faire sa mue tranquille ici avec ses cris et ses pleurnicheries incessants. Chut, mais tais-toi donc, tu vas le réveiller. Oh non, pas la mouche. Tabaki, tu t'es encore endormi, espèce de fainéant. Désolé, maître, j'ai pas fait exprès. Oh, oh, qu'est-ce que c'est bon. Va chercher l'os, immédiatement. Quel os, maître? Ah, mais non, t'as un croque, l'os à dedans. J'ai besoin d'un bon grattage. Pas de suite. Mais maître, je vous ai déjà peigné trois fois aujourd'hui. Ça ne peut plus durer comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que... Tabaki? 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 Alors, ça vient? Peigne-moi le poil. Ouh, Oh.
Lucky, c'est moi. Eddie, tu vas le jeter, cet os? Tu pourrais me le donner. Allez, s'il te plaît. Cet os magique est à moi. Je l'ai vu le premier et j'en ai besoin tout de suite pour me soulager de ces terribles démangeaisons. À quoi il pourrait bien te servir, dis-moi, Ka? T'as même pas de pattes pour le prendre. Mais Tabaki pourrait me servir de gratte d'eau. Ah, t'as l'habitude, toi, c'est pas vrai? Non, non, Aaron, non, ça suffit, y en a marre des corvées de peigne. Maintenant, c'est terminé. Brosse-moi par-ci, peigne-moi par-là, plus haut, espèce de fainéant. Non, non, tout ça, c'est fini, compris? F-I-N-I. Les gratouilles. Adieu les barbouilles. Enfin libre. Savais-tu qu'on m'appelait aussi le prince des raccourcis? Hein? Qu'est-ce que... Baggy, t'es revenu? Je sais ce que tu vas me dire. Tu voulais montrer ton affection et faire un gros câlin à Mowgli, c'est ça? Mowgli a quelque chose qui m'appartient. On était juste en train de discuter gentiment et... Ka, raconte n'importe quoi. L'os ne lui appartient même pas. Tu n'en menais pas large. Et c'est quoi cette histoire d'os d'abord? Je t'expliquerai. C'était un coup monté, je vous dis. Pendant que Ka était en train de m'hypnotiser, Mowgli a volé l'os. Ils sont complices tous les deux. J'ai vraiment rien pu faire pour les en empêcher. Personne ne me vole à moi, Shere Khan. Ils vont me le payer. On devrait laisser tomber. Ils doivent être loin maintenant. Et j'ai une super idée. Je pourrais peut-être vous en fabriquer un os à dents. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, maître? Avec ta mâchoire de Minus, tu te fiches de qui? Cette sauterelle de Mowgli va me rendre cet os. Ça, tu peux en être sûr. Allez, Baloo, ferme les yeux. Une surprise pour moi? Oh là, attention aux puces, hein. Baloo, faut quand même qu'on te dise un truc à propos de cet os. Ka, Mowgli vient juste de m'offrir le plus merveilleux des cadeaux. Attends, ne me dis rien. Je dirais que ce cadeau est un gratte d'eau. Celui que Mowgli m'a emprunté, par exemple. Rends-moi mon os à dents immédiatement. Quoi? Un os à dents, dis-tu? Comment fais-tu pour t'en servir tout seul? Ben, en fait, l'os n'est pas à Ka non plus. Ah, je vois, oui. À en juger par la largeur des morsures, la taille des crocs, ça ressemble à... Oh, ne me dis pas que... Nom d'un ours. Cet os est à moi. C'est Ka et ce fourbe de Mowgli qui me l'ont dérobé. C'est même pas vrai, j'ai rien volé du tout. Quand Tabaki a voulu jeter l'os, j'ai pensé que tu n'en voulais plus, alors je l'ai pris. Jeter l'os à dents? Tabaki? Ce chacal pouilleux ne perd rien pour attendre. Mais c'est tout de même toi et Ka qui l'avez volé. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, vous pouvez me croire. Ne t'avise surtout pas de toucher un seul cheveu de la tête de Mowgli. Tu ferais mieux de partir et tout de suite. Oh, comment je vais faire maintenant, hein? Mon os à dents, misérable, tu as cassé mon précieux os à dents. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Allez, on oublie tout. Si je te proposais de me donner un coup de main et de me gratouiller là... Moi, je peux te donner un coup de patte si tu veux, mais attention, faudra pas bouger d'une écaille. Parce que là, tu vois, je suis un tout petit peu énervé. Ben, tu parles d'un super cadeau. Il est complètement fichu. Tiens donc. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que c'est pour moi? Oui, je l'avais fait avant de trouver l'os à dents. Il te plaît? C'est vrai? Mais, et tes puces alors? J'ai plutôt l'impression que Shere Khan les a adoptées. Et maintenant que son peigne est cassé, ça risque de durer un moment. Plus fort, nom d'un croc, je ne suis pas un chaton.